Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que je ne vous ai pas fait peur, mais je ne pense pas. On se retrouve pour le dernier match de la quart de finale, Bowser Jr. vs Diddy Kong. Assez attendu ce match. Ah oui, le match clôturera les quarts de finale. On va savoir qui va affronter Bowser. Ouais. Ouais, parce que Bowser a gagné si vous n'avez pas vu le match. C'est un match sans flamboyant quand même. Ah oui. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir parce que c'était vraiment... C'était un match épique, hein. Et là, tout de suite, c'est parti. Diddy Kong contre... Et ça commence déjà rapidement, hein. Pas bien marqué. Si vous vous en souvenez, hein, si votre mémoire fonctionne encore. C'était quand même assez long, il y a assez longtemps, la journée 1. Hein, ouais. Qui s'était rencontré pour la première fois, c'était au Stade Galactique. Exact. C'était un joli match. C'était un joli match. Hein. Ah. Et Diddy Kong quand même qui avait plutôt bien mené ce match. Avait pourtant perdu. Ouais, c'est dommage. Pour l'instant, les cartons rouges sont dangereux celle-là. Oh là. Ouais. Il y a plus personne. Non. Il y a plus que Scalarex. Et c'est pas bon. Déjà beaucoup de cartons rouges. Ouais. Allez, c'est parti. La carapace rouge qui fait des dégâts. Ouais. Et on remarque déjà, si on voit déjà beaucoup de choses, c'est que Diddy Kong reçoit quand même pas mal d'objets, mine de rien. Hein. Là, il a quand même cette petite chance de recevoir quand même beaucoup d'objets. Parce que là, il s'en reçoit pas mal hein, pour l'instant. Allez, c'est parti. On se casse. Bien tenté. Ouf, ce coup aurait dû donner passé, quelque chose, ouais. Allez, c'est parti. Top. Oh, le but. Ah, magnifique. Ah, ça donne un sacré coup. Ah ouais, ça lui fout le moral. Ça tape le moral, voilà. Surtout que le coup était vraiment très très puissant, on remarque. Il a essayé de l'arrêter. Et... il a pas réussi. Hein. Ah, pour arrêter un tir comme ça, il faut être un gardien complètement... un véritable mur de fer. Ah non, c'est jamais facile. Ah oui. Oh là là, le carton rouge, encore un carton rouge. Bien utilisé. Oh, et la méga frappe qui aurait pu passer. Il y a un petit but, hein. Simple ouais. Ce but. Hein. Ouais, mais il remonte le moral apparemment. Oui, petites acrobaties. Hein. Ouais. Ah ouais, le gardien n'a pas fait grand chose pour arrêter ce ballon. Oula, attention. Oula, là. Topito, avoir un Topito devant soi, ça doit pas être évident. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Oula, la carapace bleue. Il empêche de faire son. Elle a bien sauvé la mise là. Hein. Ah oui, c'est sûr. Plus personne, tout le monde est abasourdi de l'autre côté du terrain. Petit cri de Bowser là qui va faire un tir. Et les autres. Il n'empêche pas. Ce qui n'empêche pas de marquer. Ah, elle en fait peut-être un petit peu trop là. Ah, bah. Eh oui. Elle vient un peu trop. Un petit peu trop. Il était petit et c'est vraiment étrange qu'il ait réussi à marquer le but. Le gardien de Bowser Junior doit peut-être se poser quelques questions là parce que. Pour l'instant, il est quand même en train de faire perdre son équipe quand même. Scalarex, un petit dove. Ça n'a pas réussi. C'était attendu. Hein. C'est parti. 3-1 pour l'instant. L'équipe de. De Diddy Kong mène pour l'instant. Oh là 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 là, il voulait l'avoir. Hein. Il voulait l'avoir. Et il a chance. Voilà, il a vraiment eu de la chance. Il a de bons réflexes. Hein. C'est sûr de lui. Sinon, de rien. C'est tendu. Hein. Ouais. Ah, le gardien qui l'arrête. Malgré tout. C'est du joli. Attention. Ça se rapproche là du point de chez vous en général. Attention. Topito, oh là là, bel enchaînement, ouais. Et le deuxième but de l'équipe de Bowser Junior.
un but de Scalrex, un petit coup de bluff, ça fonctionne toujours, le gardien ouais, c'est bien sûr. Et il a toujours dans l'os. Allez, ça continue. Ça c'est une belle remontée là, ça peut peut-être motiver les guides aux enfants de faire autre chose. Ouais. Oh là là, Mascas là. Mascas qui est motivé. Ouh, le gardien l'a bien arrêté. Ouais. C'est défendu en tout cas. Attention, oh là, la grimpasse move. Move tout seul. Qui a fait la passe à rien. Peut-être voilà. Plus. Et... Ah. Attention. Oh là. Ça c'est justement bien arrêté. Ouais, ah, elle l'a bien défendu. Ah oui. Ça veut dire. Attention au carton rouge. Ah, ils le savent là, les joueurs savent que le carton rouge c'est quand même quelque chose qui fait quand même. Il est très efficace. Voilà, hein, ouais. Très efficace. Efficace en... pendant le match. Scarlax. La balle. Topito. C'est dangereux le ça. Ballon. Attention. C'était très dangereux ça. Attention, attention. Et il reste plus beaucoup de temps là. Hein. Ah non, hein, temps, hein. Ça passe vite. Sur le lob. Il peut encore marquer, mais il va falloir se dépêcher. Ouais. De rien. C'est dur. 10 secondes, il reste. Ça va être tendu. C'est tendu, c'est tendu. Pas encore le marquer. Oula. Il reste 5 secondes. Ça va être dur, hein, à mon avis. Ah, il tente jusqu'au bout. Hein. Et il aura pas réussi. 2, 3. Diddy Kong remporte cette série, mais ça s'est joué à finalement pas grand chose. Ouais, ça s'est joué finalement pas grand chose. On va le voir là tout de suite, les moments forts. Il n'y a pas eu beaucoup de buts. Hein. Non, 3 il n'y a pas eu énormément beaucoup de buts. C'était vraiment une lutte. Ouais, c'était une lutte. Quand même, ça s'est joué quand même sur la chance. Quand même. Ouais. Hein. Avec quelques erreurs qu'a fait le gardien de Bowser Jr. Pour l'instant, ça reste pas un très très beau match. Moi, c'était un match correct quand même. Voilà, c'est un match correct. On avait de l'action. Mais on s'attend mieux, on s'attend à plus équilibré, plus épique, pardon. On s'attend à quelque chose de vraiment, vraiment très beau. Voilà. Pour l'instant, là. Vous avez vu les moments forts, hein, bon, c'est des buts pas mal. Mais... Ouais. On va juste voir les statistiques, hein, c'est en général ça qui nous intéresse. Et on voit quand même que c'est vachement équilibré. Oh là, bah, on lui fait Bowser Junior. Il suit les traces de son père, celui-là, hein, ça se voit. Ah, il est le digne fils de son père. Hein. Voilà. Parce que 50 percussions, c'est carrément presque le. C'est presque le quadruple. Ouais. Mais sinon, il s'en sort quand même plutôt bien sur le reste, hein, quand même, un Bowser Junior. Donc, pour l'instant, plutôt avantage à Bowser Junior, finalement. On va voir le deuxième match. Bowser Junior quand même qui a été quand même qualifié 3ème. Hein. Ah oui, 3ème. 3ème, c'est vrai. Rien. On voudrait qu'il gagne. Enfin, un peu. Mais je pense que les petits vous a peut-être le coulir. Aussi, oui. On sait tous, hein, c'est vraiment déjà quelque chose, déjà tous qualifiés au quart de finale. Ah oui. En général, c'est peut-être ça le pire. Oula. C'est perdre les finales. C'est vraiment peut-être ça. Vous avez vu la carapace, comment qu'elle a dévié la balle. Parce qu'elle s'est tirée en plein dedans et la balle est retournée à l'autre bout du terrain. Plutôt creuse. Et en plus, je sais pas comment il arrive à creuser. Oh là là, le lob. Oh. Qui s'attendait à ce que Bowser Jr. fasse un lob? Personne. Magnifique. Très beau. Ouais. Il aurait pu tirer à une sans se garder. Il a plutôt fait un lob. Et ça, bien. Ouais, bah, le gardien était très loin. Il a vraiment rien pu faire là. Très beau. Allez, c'est parti. Et oui, donc je reprends de ce que j'ai dit, c'est que le pire c'est peut-être de perdre les quarts de finale. Oula, ça arrêtez de m'interrompre, ils veulent pas vous laisser parler. Oui, ce que je disais c'est que peut-être le pire pour un joueur, pour un capitaine, c'est peut-être de perdre les quarts de finale. Parce que c'est vraiment là où on est qualifié et on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin. Ouais. Par exemple, comme Udi, hein, Udi a perdu son match à Bowser in extremis, c'est vrai, c'était vraiment exceptionnel. Il a, mais vraiment, je pense que s'il y a bien quelqu'un qu'on doit retenir, c'est Luigi parce qu'il a vraiment affronté des costauds. Ouais. Il a pas affronté les plus faciles.
Il s'en est toujours bien tiré. Ouais, il s'en est bien tiré. Même face à Bowser, il a fait son match. Hein. Ouais, il a vraiment fait son match. Ça reste pour l'instant le plus haut match de sa carte de finale. Voilà, chapeau à lui. C'est parti la méga frappe. Didi. Ah, Didi Gong. Il va peut-être se venger de ce qu'a fait les Bowser face à son ami. Ça a l'air de plutôt fonctionner. Ouais, un but. Ça rattrape. Ouais. Il y a quand même un petit peu plus de buts. C'est 3 buts en 1 minute. Allez, ça peut le faire. C'est pas trop mal. Ça peut largement le faire. Voilà, Carapace, ça va. On va plus vite utiliser. Et bien tenter. Oula. Oh. Belle occasion. Attention. Il y a des occasions. Ouais. Allez, c'est parti. Des deux côtés, hein. Oh, encore une petite occasion. Dommage que c'est pas cadré. Hein. Non. C'est vraiment des tirs un peu pas très réfléchis comme ça. Et le carton rouge, le deuxième qui fait des dégâts là. Ouais. Qui a pris, je crois, Mascas. Il a pris deux joueurs, ouais. Il a pris Mascas et Scalerex. Ouais, c'est pas bon. Surtout Scalerex, c'est surtout défensif. C'est le seul, en fait, c'est le seul point de l'équipe de Bowser Jr. La seule pierre angulaire de l'équipe de Bowser. Voilà, ils ont gelé tous les deux avec la carapace bleue. Et ils ont enchaîné les carapaces bleues, hein. Ils en avaient deux. Ouais. Et là, bien sûr, là, l'équipe de Bowser pouvait rien faire. Il y a un qui s'est fait assommer par la carapace. Ouais. Je pense que Didi peut remercier ses objets. Mais ils sont bien utilisés. Ça peut donner quelque chose. Allez, c'est parti. Voilà. Frère Marteau pas qui facile, montre hein. Pas grand chose hein, non plus hein, sur ce match. Oh. Ça c'est rentré. Je peux trouver les règles. Ah il nous prouve encore une fois que Scarex faut vraiment faire attention à lui. Toujours garder un œil. Toujours garder un œil sur Scarex, hein, il est. Ah ouais, c'est il est dangereux. Hein, c'est lui. Allez, ça continue. Voilà. Attention. Four. Il a tenté un bel en force. Hein. Ouais. Attention. Oh là là. Et celui-là, il est rentré. Yeah. Il a ça du mal. Il a du mal. Hein. Il a du mal à ouais. Laisser passer ça. Et l'équipe de Bowser se réveille. Hein. C'est sans doute pour eux. C'est parti. Et... La carapace qui aura percuté tous les joueurs. Ouais. Il est tout seul. Attention. Tout. Bowser. On se casse. Oh là là. Oh, et ça s'enchaîne. Ouais. Bowser Jr. est en pleine forme, très offensif. Il est content. Et il attaque. Hein. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Exactement. Il reste encore du temps pour peut-être égaliser. Oh. Ça pardonne pas ça. Non. Scarlet s'en a profité directement. Et ça compte pas. Pour l'instant, Bowser domine complètement ce match. Il est actif, hein. Y a pas à dire. Il est très bon défensivement, offensivement. Tout qui passe bien. Ah, attention, vous. Attendez, équipez-vous. Ça peut pas marcher. Oula, bien placé celui-là. C'est vraiment pas bon. Voilà. Il essaie de se débarrasser d'un peu tous les joueurs. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Non. Allez, c'est parti. Une petite occasion. Et allez, Bowser Jr. et Scalerex reviennent. Ouais. Oh là là, ça c'est peut-être un beau coup. Il y a encore un et petit carton. Et il repart. Oh là là, ça a été bien utilisé.
Non, vraiment pas. Vraiment pas. Oh là, ça... Par contre, ça, ça fait mal. Hein. Ah oui. Allez, c'est parti. Il saute bien en avant. Attention. C'est bien joué, ça. Ah yes, c'est quand même collectif chez les Ah ouais, hein. Ça passe bien, ça c'est sûr. Ah, le carton rouge qui ne fait aucun effet. Et il en rajoute un deuxième. Ouais. Celui-ci a fait effet par contre. Oui. Ah, c'est son but. Et voilà. 6-3. Ouais, mais il y a encore un écart, hein. 2-3 buts. Et il va falloir faire vite, hein, s'il veut espérer. C'est sûr. C'est parti. Oh, Mascaz. Et le but de Scarex. 7-3. Ah, Mascaz lui a offert celui-là. Ouais, ça se voit là. Mascaz lui a vraiment offert ce beau but. Ça s'arrange pas pour nous. Ça s'arrange non, pas. Non, pas du tout. Et je pense que on va avoir un troisième match. Oui, à mon avis. 13 secondes, c'est un peu juste pour marquer 4 buts. Ah, même en méga frappe, c'est pas possible. Non, quand les gardiens sont plutôt doués. Ouais, c'est fini. On aura le droit à un troisième match. Oui. Ouais, peut-être aussi un petit peu trop beau. J'ai l'impression d'être moins. Rien n'est joué. Tout aurait pu finir dans ce match, mais il a plutôt bien géré. Donc oui, bon, je pense même qu'il a quand même vachement dominé ce match. Donc, largement. On est en train de voir les moments forts. Faudrait quand même une petite remise en question pour l'équipe. Oui, là, parce que là c'était vraiment. Ils étaient vraiment plats. On peut le dire, faiblard. Que le moment fort du match, un petit but, c'est pas dodge de coup. On va voir les statistiques. Moi je pense qu'elles vont montrer quand même une domination quand même de Bowser Jr. Ah, mine de rien, c'est plutôt équilibré. Bon, la possession par contre, même que Bowser Jr. a plutôt gardé le ballon. Percussions montrent quand même que Bowser Jr. est toujours aussi violent. Voilà, aussi violent. Et bien sûr, les buts. 7-3, 4 buts d'écart. Voilà. C'est parti pour le troisième match. Le dernier match. Cette fois-ci, c'est le dernier match de cette quart de finale. On va passer aux demi-finales. Oui. Les demi-finales qui vont se passer au cratère et, la finale qui va se passer au palais. Si j'avais complètement oublié du dernier terrain. Voilà. C'est le palais. Ça se jouera au palais la finale. Il y aura une petite finale qui jouera aussi au palais. Pour la deuxième, pour la troisième place. Ouais. Pour la médaille de bronze. Voilà. Et celui qui perdra la petite finale gagnera la médaille en chocolat. Merci. C'est peut-être même la meilleure des récompenses. Hein. Oui. C'est une coupe, à part l'afficher, on peut pas faire grand chose avec. Alors qu'une coupe en chocolat, on peut la manger. Une médaille en chocolat. Ouais, c'est pas mal aussi. Petite récompense, hein, ça peut attendrir le cœur. Hein, voilà, petit puis le chocolat, c'est toujours bon. Oh, waouh! Ça, Ça, c'est pas bon. un but hallucinant. Les canons que Dopitope nous habitue de plus en plus. Hein, avec une bombe en plus jusqu'à la fin. Ouais, tirer ce magnifique but. Allez, c'est parti. Voilà, oh là, le coup de banane est bien utilisé et l'égalisation est très rapide. Hein. Ouais, la réaction ne s'est pas fait attendre. Vraiment pas attendre. Non. 8 pas. Et il reste. C'est parti. Faut pas les laisser creuser l'écart. Parce que dans le match précédent, on avait un grand écart quand même. Oh là là. Le cri de Bowser, le carton rouge, le Didi. Tout est dit. Voilà. Les capitaines. Oh là, le gardien il s'est bien mis en avant. Faut quand même faire attention. Rien. Ah, belle récupération là de Didi. Ah, la passe en arrière n'était peut-être pas la meilleure solution. Hein. Il était seul quand même. Attention. Ah, ça roule de partout là. Attention. Les carapaces bleues qui gèlent les ennemis, on le rappelle. Attention, Tokito tout seul. Oh là là. C'est dur, hein. Ouais, c'est pas évident. Hein. Attention. Ça bataille en tout cas. Pour l'instant, 1-1. Pas beaucoup de buts, mais bon, ça va venir.
bien sûr, il reste encore 3 minutes. Serré, là, hein. Il reste encore 3 minutes, mais là, c'est clair que les deux équipes se donnent complètement parce que c'est le dernier match. Deux matchs là qui va aller. Qui va vraiment savoir qui va se qualifier. Attention, Midi. Voilà. On va bien arrêter par le gardien là. Il fait au moins quelque chose de plutôt pas mal. C'est parti. Il est tout seul. Et il marque. Kerex. Oui, il est vraiment, vraiment un joueur redoutable. Ah oui, c'est sûr. Attention, c'est pas fini. Non, absolument pas. Ça a l'air d'être plutôt. Allez, c'est parti. C'est pas facile. Ce carton est bien utilisé. Avec l'équipe de Didi, quand même, joue vraiment sur la rapidité. Ouais. Alors que l'équipe de Beaux Engineers, un petit peu plus sur la puissance. Il joue plus sur l'équilibre attaque-défense en fait. Et l'équipe de Didi joue plutôt sur la collectif et la vitesse. Et ça a l'air de plutôt bien méga frappe. Parce que là, la méga frappe a été utilisée. Et voilà. Aïe. Moi, avoir 8 buts. Il va falloir marquer 2. 4. Et vu que le match est quand même vachement serré, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, hein, ouais. Surtout si Didi Kong réussit à marquer encore d'autres buts. Voilà. Mais il reste encore du temps, il reste 2 minutes. Ouais, mais il va falloir se dépêcher quand même. Oh, à la belle tentative. Joli, hein, le gardien a bien plongé, vraiment. Il n'avait pas un angle facile. Hein. Oh, ça joue vite. Ça joue très vite, oui. Ils ont pas attendu longtemps pour la contre-attaque, hein, l'équipe de Didi. Non. Il est tout seul là. Ah, ça tente. Ouais, ils essayent de le mettre. C'est pas facile. Ça, de toute façon, de pas s'en prendre à. Non. Faudrait vraiment pas. Ouais. Oh là, le Bowser Junior, il a vraiment empêché de tirer. Ah oui. C'est dommage. Dommage. Oula. Encore une méga frappe. Didi veut clôturer ce match. Ouais, il veut du but. Ouais, exact. Voilà. Et ça n'arrange pas les choses. Hein. Non. 5-2. Boys of Junior, il avait beau dominer le match précédent. Là, on peut dire que Didi s'est rattrapé. C'est contraire, oui. Didi Kong s'est vraiment rattrapé. Voilà. Un cafouillage. Ah oui, tout ouais, ça, ça s'arrange pas. Ah ouf. Bowser est énervé. C'était peut-être pas la meilleure idée de cogner le pied. Non, surtout pour lui shoot quoi. Mais il a besoin encore de son pilier. Hein. Alors s'il tire de l'autre, mais. Oui. 4 buts, je pense que pour Bowser Jr. Ah, c'est dur, hein. Il reste une minute. Non, je pense que cette fois-ci. Oui, vu comment c'est serré. Même le coup de mascotte n'est pas passé. C'est triste. C'est triste pour Bowser Junior parce qu'il est plein plutôt de gagner. Oui, il avait fait un très beau match. Un très beau deuxième match. Il faudrait peut-être une méga frappe. Encore faut-il pouvoir la placer. Oui. Oh là là, celui-là. Alors là, franchement, je pense que celui-ci est rentré. Hein. Celui-ci est rentré et je l'ai vu passer la ligne. J'ai vraiment envie de. C'est vraiment pas de chance, hein, ce but était rentré. Hein. Il est vraiment, vraiment rentré. Bon bah, 7-2 pour le moment. Oula. Et en plus, les objets pleuvent pour l'équipe de Didi. C'est vraiment pas de chance, hein. Là, c'est vraiment pas de chance. Ouais. Là, il y a vraiment pas de chance. Hein. L'équipe de Didi se reçoit des objets alors qu'elle mène le match. C'est dommage. C'est assez. C'est dommage, c'est quoi, C'est pas mal. Oh bah, il reste 10 secondes, à mon avis. Le match est clôturé. Un petit but, hein. Moi, un petit but pour montrer qu'il est encore présent, malgré tout. Et c'est fini. Oui. On peut
Red Mega frappe très rapidement. Et les 4 buts qui rentrent, il faudrait également. Ouais. Hein, je pense. C'est pas dit. C'est pas dit qu'on le trouve, ça. C'est fini. Ouais. Ouais. Donc, peut-être pour toi. Didi arrivera à se qualifier, il fera Bowser. Un match plutôt. Pas vraiment à l'avantage de Bowser, hein, on l'a vu. Hein. Non. Didi qui reçoit énormément d'objets. Le but qui voilà. N'est pas comptabilisé, puisque le but est vraiment rentré, hein, mine de rien. Le but de se faire exploser est rentré. Mmh. Bien sûr, ça n'a pas possible de gagner. Bref, Diddy Kong a gagné. Bah, la chance aussi joue. Et, mmh, voilà. Et Diddy Kong a très bien joué et a eu de la chance. Ouais. Il le mérite quand même, puisque rappelons-le quand même que le premier match, il avait quand même un très beau match. Il faut dire que là, il a quand même fait 7-3. Hein, donc il a repris sa revanche. Voilà. Finalement, il a repris sa revanche. Exact. Et voilà, il affrontera Bowser. Donc, de rien, on a quand même quelque chose d'assez équilibré. Hein. Enfin, ouais, on a donc une demi-finale, on a Bowser et Donkey Kong. Et Diddy Kong. Et Diddy Kong. Et Flora contre Wario. Voilà. Donc, ça s'annonce. Ça va être de belles demi-finales. De belles demi-finales. Allez, c'est parti, on va voir les statistiques. Mine de rien, qui risque d'être assez équilibré, je suppose. Et ah oui. Oui. Les percussions, hein. Ah bah. Ah, il y en a fort. C'est peut-être pour ça qu'il a reçu tellement de plus. Ah, peut-être. Donc voilà, les quarts de finale sont finis. Il me reste encore un petit peu de temps. Donc, bon, comme les journées, on va quand même parler des matchs, de ce qui s'est vraiment. Un petit peu décrire ça pendant 5 minutes. Voilà, ça vous va, tenez chance. Ça va, bah, allez. Déjà, le match que j'ai préféré, c'était Luigi Bresson. Je pense que je serais du même avis que vous. Je l'attendais. C'était vraiment un match absolument exceptionnel. Ah, magnifique. Hein. La fin a vraiment été terrible. Génial, ouais. Pour les deux. Hein. Luigi a vraiment fait chaud. Luigi a vraiment. Je pense qu'il a effrayé Bowser. Bowser a un petit peu motivé ses équipiers, hein, on l'a vu. Hein. Oui. Il leur a donné un petit peu de chaleur. Hein. Voilà. Si je puisse me permettre. Et en tout cas, c'était un match énorme. Les demi-finales, donc, les quarts de finale sont clôturés. Quelques surprises quand même. Oui, par exemple, cette surprise là, aujourd'hui on n'est pas qualifié alors qu'il était quand même dans le top 3, il était quand même 3ème. Il n'aura pas réussi. Sinon, le Wario Yoshi aussi m'a. Ouais, un petit peu surpris quand même. Parce que Yoshi s'est quand même bien défendu, c'était in extremis. Oui. Donc voilà les demi-finales. Flora qui a montré, on l'a vu le match Flora, c'était aussi difficile, un petit peu difficile pour elle, pas tellement, hein, mais elle a quand même réussi à dominer Waluigi. Ouais. Donc voilà, donc on va finir sur ça, on se retrouvera pour les demi-finales. Ça va être du gros, ça va être du lourd. On se retrouvera sur le cratère, et c'est là on va avoir vraiment. Les gros matchs. Ouais. On a déjà eu des très gros matchs, mais là, ça va être encore pire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.